C'est l'angoisse. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ça fait 1, 2, 3, 4 et ça part. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño. Là, j'étais nickel. Perfecto. Alors, c'est bien. Et on est parti pour Rec, I Like The Way You Kiss Me. Je vais la découvrir en même temps que vous. Je ne l'ai jamais chantée, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je l'enregistre là, donc je vais la prendre en même temps. I like the way you kiss me, I can tell you miss me, I can tell it hit, 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 hit. Nul, 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 nul. Not trying to be romantic, I hate it from the back, just like you don't get attached. Just for the taste, you're on your knees, I'm on the case. Not convinced at all, hein. You say, we're done by his day. Ok, là c'est mieux. Just stick around and you find out. But don't you wanna make me proud. C'est ça les notes? Make me proud. Ouais, c'est ça. But don't you wanna make me proud. Cause I'm so proud. Baby, I'm so proud of you. Deuxième couplet à prendre. Can I make a scene? Can I make it loud? Cause I'm so proud, baby I'm so proud of you. Ok, on va tester avec les effets pour voir vite fait. Ok, je vais faire ça ce soir parce que j'ai envie d'envoyer les voix demain. Et voilà, mélodie presque bon. Il me manque plus que le timing, mais je commence à voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va être trop stylé en vrai. J'ai pas mal de calage quand même parce que c'est méga rapide. Du coup, il faut que je recale tout ça, mais on a bien avancé. On est parti pour Rec, pas le plan, entre parenthèses, Stay the Night, parce que c'est un morceau qui est en collab avec Shia Messel, un artiste new-yorkais. Et j'avais enregistré la démo il y a très très longtemps et c'est très très aigu. Donc je sais pas si j'ai encore les notes aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je les aie parce que je dois avoir fini les voix ce soir. Donc pas le choix, on les aura. Vous êtes pas prêt sur la tonalité du truc. Cette chanson pour le coup est très crescendo. Et en plus finalement je suis en train de me dire que j'ai pas tant que ça à rec, parce que finalement j'ai un couplet, un pré-ref et un refrain. Donc je vais vraiment me concentrer à fond pour faire des beaux couplets, parce que lui ses voix on les a pas fait écouter mais elles sont incroyables. Donc faut vraiment que je sois à la hauteur. Bouquet de pleurs. C'est ce qu'on appelle de pas être à la hauteur du tout. Je crois qu'on s'aime mal, mais c'est ce qu'on fait de mieux. Oh c'est nul. On se rend pas forcément compte, mais par exemple moi quand j'écris des mélos et que c'est Louis qui va les chanter ou inversement, des fois on se rend compte que c'est pas hyper intuitif la manière de le chanter quand c'est pas toi qui l'a écrit, et là pour le coup c'est pas nous qui avons écrit la mélo. J'ai pas ça sur les pré-refs, mais sur les couplets, je sens que c'est pas des intervalles que moi j'aurais fait instinctivement, et du coup je suis pas hyper à l'aise sur ce genre de truc. Du coup c'est très dur pour moi d'être précise là-dessus, mais je vais y arriver, y a pas de raison. Faut juste du travail. Bouquet, bouquet. C'est con, mais c'est pas naturel pour moi. Bouquet. Ça m'énerve. Bouquet de pleurs. Atterré, je crois. Il y avait du mieux, il y avait du mieux. Sans tout ce qu'il restera, je comprends que dalle. Il y avait du bien, il y avait du dégueu, mais il y avait du bien. Et on est reparti pour le pré-ref. CQFD, non, ça marche pas. Et c'est comme ça. Alors. On est plus à l'aise sur le pré-ref, hein. Je sais pas si je dois faire j'ai plus d'HP ou j'ai plus d'HP. Je sais pas où mettre le vibrato. Je le vois. J'ai plus d'HP pour jouer avec toi. Et c'est maintenant qu'on rigole. Pas du tout. T'es pas le méchant ni le gentil de l'histoire. Ça je ferai après. C'était pas le plan. Ça sature un peu cette histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la voix mixte. Alors on s'en de toi. Prends-moi dans tes bras. On y va vraiment, puis on verra bien. Alors on s'en de toi. Prends-moi dans tes bras encore une dernière fois. Eh, hey, on est pas mal pour un retour de voix mixte d'il y a longtemps.
Je pense que je vais écouter le tout avec un autotune pour voir ce que ça pourrait donner une fois réajusté. Bon, en vrai, je suis assez contente parce que finalement, les couplets me faisaient pas tant que ça peur et j'ai bien galéré dessus. Au contraire, les refrains me faisaient flipper grave et je pense que c'est ce que j'ai le mieux réussi par rapport à la démo d'avant. Donc là, quand j'écoute, je trouve que ça rend bien. Donc je vais faire mes choix et j'écouterai après si je pense qu'il y a des trucs qui manquent, qui peuvent être mieux. Mais en règle générale, je pense que c'est pas mal en vrai. Donc je vais faire ça et puis je vous ferai écouter. J'ai fini! Normalement. Mais je suis trop contente parce que je trouvais les voix vachement mieux que sur la démo. Je me suis aussi forcément beaucoup plus appliquée parce que la démo je l'avais fait je crois en 2-3 prises alors que là j'en ai fait plein et j'ai vraiment choisi hyper minutieusement, donc je pense que c'est bon, mais je vais faire écouter à Louis. Assieds-toi là. Bah t'as allé en chaussures alors qu'on vient de tout aspirer. T'as des chaussons en plus. Oui, mais c'est parce que j'étais pressée d'enregistrer et du coup je suis montée. Bah oui, mais maintenant elle est dans la vie ici. C'était top. Mais est-ce que tu fais des bacs comme lui? C'est ma question. Est-ce que tu veux? Après, si je fais des bacs, ça me prend 2 secondes. Tu veux que je te montre ce qu'il a fait? Il a aussi une voix pitchée à moitié. FX. Genre... pas fort. En fait, faudrait regarder. Parce que je trouve que ça marche bien quand on met toutes ses voix. Il n'y a pas du tout le côté trop FX, mais c'est derrière, quoi. Ça rend le truc plus gros. Tu veux voir ce qu'il a fait, peut-être? Ouais. Attends, faut couper la caméra. Non. C'était pas le plan. C'était pas prévu, faut croire. T'es pas le méchant, ni le gentil de l'histoire. Ok. Et hier. Une armo. Yeah. Oui, la cheval. C'était pas prévu. C'est ça? Je crois. C'était pas prévu. C'était bien. Bah parfait. Ok. Moi okay. C'est tout. Bah ouais. Si tu t'ennuies, tu peux faire un teaser pour l'Unis pour ce soir. Allez. T'as vu cette synchro sur le 1? J'ai essayé en fait d'imaginer à quel moment tu me ferais, parce que je savais qu'il allait arriver. Ça se moque. Si tu t'ennuies, fais un teaser. J'ai envie un brownie au soleil. Oui, bah avec ton brownie au soleil, tout ça, pas le temps. Parce que je suis loin d'avoir fini, hein, du coup. Atoum-toum-ça. Allez. Non, parce que je comprends pas. Je peux pas faire ça au soleil. Non, mais tu prends ton muffin au soleil, tranquillou-bilou. Et quand t'as fini, quand t'en as marre. Ah oui. Oui. Marre de mon cookie au soleil. Oui. Ça n'arrive pas. Ça marche. Ça y est, j'ai fini tous les edits. Maintenant, je me suis occupée de faire les exports. Et après, on va envoyer ça à Sébastien Leroux pour qu'il fasse le mix. Et j'ai trop hâte parce que ce morceau va être incroyable. Je me suis dit, c'est quoi ce truc méga horrible? Qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va faire temps! Oh, c'est trop la fête! Il est horrible ce truc! J'arrive plus à l'éteindre! Merde, attends! Ah, si, c'est bon. Voilà, t'écoutes? Tiens, oh, ça va fondre. J'en peux plus. On écoute! C'est ma glace d'anniversaire. Mais avec un peu de banane pour la conscience. C'est bien. C'est ouf. Ça le fait. Ouais, c'est trop chouette. Rien à dire. Non. Cud. Bah non. Et on fait le petit oui transfert pour Seb qui avait des dispos demain et le 23. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait full stay the night. Et ça claque hein. Trop hâte que ça sorte fin juin. Oh, ça fait 1,8 giga. Ah oui, il est costaud le... le projet. Je sais, il va avoir le poids. Oh non. Il est plus gros que d'habitude, ouais. On va écouter, voir si ça me plaît. On va écouter, voir si ça nous plaît. Bon, j'ai fait ça, tu sais. J'ai pas pris trop mon temps parce que c'est juste pour montrer. C'est top. C'est bien là. C'est bien là. Tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon? Bah, il faut lui envoyer. L'exporte. Clac. Démo boostéréo. Boons. Ah, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Et tu veux faire quoi? Tu veux qu'on y aille ou qu'on fasse du mortier? C'est pour savoir si on va courir et après Koh-Lanta ou si on fait du mortier. Et toi, tu le laisses en continu? Oui. Coupe. Je vais enregistrer le texte pour une collab avec Sandro Silva. Donc, Kiran m'a envoyé les paroles semaine dernière. Et là, c'est parti pour Rec. Ouh, je suis fatiguée. Alors.
voici qui l'embrouille. Ok, ok, ok. How is it a tray? Coming from above, a rose in the sky. A rose, comment on prononce ça? Première fois que je l'ai, du coup je sais pas. Allez, Elon Musk, bouge. Arrows, je fais bien de vérifier. Arrows in the sky. Arrows in the sky. You bring out the best in me. Bon, c'est bien. Par contre, il y a un truc qui me stresse, c'est que je fais que passer de voix tête à voix pleine. Et ça me sort du truc, au-delà du fait que vocalement, c'est chelou. Ça fait des changements de timbre complètement inopinés. Donc, il faut que je trouve comment le faire. You bring out the best in me. Will you be my destiny? C'est pas mal, ça. You wait in line to come. You wait in line to come. J'arrive pas à le dire. You wait in line to come and do your part, do your part. Oh, just like the other boys, boys, boys. Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'il y a de quoi faire, hein. Deuxième couplet, on augmente l'intensité. Dancing on a cloud, everyone is gone. But I couldn't tell you how. We're here all alone. Ok, et je pense que ça va être pas mal d'avoir un gauche-droite ou une armo sur le pré-ref. Un peu dissonant années 90. Oh, just like the other boys, boys, boys. Je pense que c'est pas mal un truc comme ça. I let you know I'm fading for you, fighting for my heart. I know that fight will come into you, to you. Ok, je pense que je vais faire ça aussi. Et ça sera pas mal. I let you know I'm crazy while you're fighting for my heart. Ok, on va le faire en aigu tout en haut et puis je pense que ça sera pas mal du tout. C'est parti. Since I know you wanna play it hard, all just like the other boys, boys, boys. Tu m'as appelé? Non? Dans ma tête. C'est bien. Pas de son. Pourquoi ça met autant de temps à arriver? Ah oui, parce qu'il l'a pas masterisé encore. Tenez monsieur, ça filme. Ça filme et on a reçu le mix de Seb, alias Choupi. Choupi! Envoie la purée, Choupi. Ça claque, hein? Ça claque. Ça claque! Est-ce que tu veux montrer notre cadeau? François et Isa nous ont dit qu'on devait aller chercher notre cadeau à l'atelier numéro 5, qu'on commence à connaître très bien, parce qu'on y va très souvent. Et du coup, on allait le chercher, sans aucune idée de quoi il s'agissait. Attention. Attention. Tada! N'est-il pas magnifique? On n'a rien vu. J'en ai déjà mangé trois. Incroyable. Fait par Jérémy Thierry. C'est celui qui tient l'atelier numéro 5. Et c'est un pote à moi de collège qui était en 6e et 5e avec moi. Et donc il nous a dit qu'il avait un souvenir d'être venu à un anniversaire chez mes parents et que j'avais joué du piano. Et donc il a fait un piano. Et il est trop bien. Il est trop beau. C'est une œuvre d'art. Qu'on ne va du coup pas manger. Mais par contre ça, ça là, tout ça, c'est très beau à la caméra. Ça va être mangé. Ça va pas faire long feu ça. Non, ça va pas faire long feu du tout. Parce que surtout que c'est juste là, à côté. On passe tout le temps. Il est magnifique, hein. C'était quoi? Ça me joue un morceau. C'est rigolo, hein, à côté de lui. Il est trop beau, j'adore. Donc on trouve comment le protéger de la chaleur et de la lumière et tout. On va trouver. Merci Isabeau et Francky. Et merci Jérémy et l'atelier numéro 5. Allez. Let's go. On va courir. On va courir. Et on ouvrira le cadeau après en rentrant. Un filtre anti-peur. Ça, c'est pas le cadeau. Si, poli. En plus, il est bien, lui. Il est beau. Mais c'est pas ça. C'est le même que toi. Il est bonne réputation, lui. Un truc pour que ce soit lourd. C'est drôle. Ça fait partie, non? Ça fait partie, mais c'est pas le cadeau. C'était des cadeaux de moi à moi. Oui. Et ça, un caïs.
Mais je sais ce que c'est. Mais ils savent pas ce que c'est. Oui, mais j'ai trop hâte. C'est quoi ça? C'est un caillou. C'est le truc qui tombe du toit, ça? Oui. C'est un caïs pour quand on part en concert et qu'on veut avoir des petites boissons. Trop bien. Mais c'est des canettes. Et comme ça, en plus, je peux arriver et offrir à toute l'équipe. Genre, hey, les gars, j'ai une petite boisson. C'est moi qui paye la tournée. On va mettre des ice tea, des coca zéro, des petites bières pour ceux qui veulent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération. Il est beau, hein? Merci. Beau. Je suis content. Il est trop stylé. Tiens. Pardon, bébé, c'est dangereux. Attention, une surprise arrive. Coucou. Une surprise arrive. C'est quoi? Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau pour toi. Je sais que c'est de la céramique. C'est un bol. Oui. Un bol breton. Ah oui, wow. Il est beau. Il est magnifique. Il est mignon. C'est moi. Oui. Avec les cheveux roses. Oui. C'est toi. Oui. Mais c'est... Il est beau. C'est toi qui as dessiné? Ah oui. J'ai galéré. Sans modèle? Bah oui, parce que j'ai regardé sur internet à quoi ressemblaient les bols bretons en général et puis j'ai essayé de copier quoi. T'as GG. Donc c'est toi qui as choisi de faire un bol breton? Oui. Tu pouvais choisir tout ce que tu voulais tout, comme format? Oui, absolument tout. Et c'est eux qui font après le... Non, comment? Eux, ils font les maillages. Le maillage, ils le mettent dans une espèce de liquide. Mais comment, t'avais un bol quand même? Oui. Format quoi. Ok. Moi, je savais déjà que je voulais faire un bol breton en arrivant là-bas. Trop beau. C'est l'angoisse. J'ai l'impression d'être un chat. Tu sais que quand j'ai préparé ça et que je suis allée vers là, il y a Bucket qui a couru comme une tarée. Merci. Je t'ai mis un petit peu de chocolat et des petites céréales. C'est des choses que t'aimes bien. Mais... Bon anniversaire. Merci. Et maintenant, il faut que tu fasses ça. Pendant quoi? Que je vais chercher ton cadeau. Et il faut pas que tu regardes vers là-bas. Ok. Que de mystère, j'ai pas le droit de voir ce que Louis est en train de faire. Du coup, je vais, en attendant, exporter les voix pour Sandro Silva. Je filme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je peux pas. Ah, faut des ongles. Oui, des ongles durs. Mais des ongles tout mous. Et ça. Allez. Ok. Ça a trois pieds. Des pieds relativement bas. Et on a que trois. Et la suite, c'est en bas. La suite, c'est en bas. Attends, je vais faire la suite. Tu auras la surprise. D'accord. Tu me dis. C'est toujours pas bon? À vous. Que je voulais en forme de galet. Enchaîne. On le sent? Ben oui. On le sent. C'est tout beau. Donc voilà, on est bien. Il y a beaucoup plus de place. Bah oui, si. Là, faut bien mettre deux assiettes et, et une bilique ou un appareil raclette, tu vois. C'est beau. Merci, mon petit chat. Trop joli. Ouais, ça me fait si t'es contente. Oui. Nickel. Qu'il est beau ce studio. Ouais, ça claque. C'est vachement bien. Bonjour, c'est le matin. On est bien avec ça, en cadeau au réveil. Moi j'ai un autre cadeau. C'est gros, hein. C'est vraiment bizarre. C'est pas lourd, c'est gros. Qu'est-ce que ceci? On prend pas toujours. Ah oui, je sens. Merci. Original. C'est trop bien. Pour les coquilles comme moi. Il y en peut en mettre plein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fait à Biarritz. Ah oui? Made in France. Bah oui. Trop bien. Truc pour mettre mes skates comme ça. Little Anana dans le garage. Ça va être stylé. On a presque plus envie de les mettre dans le garage.
Et c'est marrant, ils font ça de la même façon qu'ils font des skates. T'as vu? Oui. C'est-à-dire, couche de bois. J'ai dit que tu pouvais en mettre 4 et mettre des protections ou ton casque un peu plus en bas. Oui. Oui, carrément. C'est stylé!